Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. J'aurais pu te commander, comme tous les enfants, des jouets par milliers comme on fait tous les ans. Une épée, une raquette, une console, une BD, une tablette, des bricoles. J'aurais pu t'écrire en prose comme font les gamins. Bon, alors là on a une heure de creux, donc on est sorti prendre des photos. La vie de, d'Instagram. Et attendre que repose au pied du sapin des poignées attendues de cadeaux, des paquets beaucoup plus qu'il n'en faut. T'as avec ma nouvelle coupe, avec ma coupe là on dirait croyance dans les animaux fantastiques. Tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, aujourd'hui je suis allée faire des photos Insta avec mes potes. Et vous pouvez le voir, je suis vraiment ultra active sur Instagram. C'est le réseau social que je préfère. Je suis tout le temps sur Instagram, vraiment tout le temps. Vous êtes sale là, par là. Vous l'avez de temps en temps les gars. Vous donner, vous expliquer un peu comment je prenais mes photos. Alors je vais pas vous retrouver, je vais pas vous parler de comment je les édite, comment je les poste. Je vous en parlerai je pense dans une autre vidéo. Tout d'abord, il y a un petit peu de deux choix je pense sur Instagram. C'est si vous choisissez d'avoir un beau contenu ou un beau feed. Alors vous pouvez faire les deux très clairement. Mais si vous voulez poster un contenu instantané tout le temps, vous pouvez pas je pense avoir un beau feed. Parce que votre vie, en fait un feed pour ceux qui savent pas, c'est que toutes vos photos aillent ensemble. Donc il y a des feeds plus ou moins développés. Par exemple des gens qui postent que sur des fonds blancs, ce sera des feeds hyper durs à faire. Après t'as des feeds tout en noir et blanc. Donc ça c'est assez simple à faire. Personnellement souvent je choisis une couleur. Donc là mon feed actuellement est dans les tons orange marron. J'adore, c'est dans le thème automne hiver. Mais c'est vrai que c'est pas facile tous les jours en fait. Je peux pas prendre juste des photos de mon quotidien. Je peux pas prendre juste une photo de mon look de temps en temps et dire je le mets dans mon feed, parce qu'en fait ça ira pas dedans. Comment je prends mes photos, comment je gère un petit peu mon feed. Alors avant de choisir un filtre, je vous en parlerai dans une nouvelle vidéo, je pense que il faut déterminer la couleur de votre feed, vous dire combien de photos vous allez vouloir mettre dedans. Pour avoir un feed, je considère qu'il faut environ une vingtaine de photos minimum. Je crois que des fois j'avais pas mis 20 photos, mais il faut que les gens quand ils arrivent sur votre compte et qu'ils défilent un peu, ce soit toujours la même couleur. Je suis obligée de faire ça, je vous parle vraiment moi. Donc je prends mes photos souvent dans la rue avec mon iPhone 6. Avant je prenais tout le temps donc avec mon appareil photo ou avec les portables des autres parce que j'avais un Ricoh. Alors mon appareil photo c'est un Olympus, j'essaie de lire, Penlight, je sais plus quoi. Alors il est pas mal mais le son est pourri, je pense que vous aurez déjà remarqué dans mes vidéos. Après j'ai payé quand même assez cher, 400€ avec deux objectifs, et il est pas ouf, donc je vous le conseille pas. Je vous conseille plutôt d'acheter le Canon 600D sur le bon coin ou des trucs comme ça. Il prend de la place mais il fait vraiment des qualités de fou, la qualité de fou. De toute façon les Canon c'est les meilleurs appareils photo pour moi. Alors, si vous avez un iPhone ça convient aussi. Pour avoir un beau feed il n'y a pas forcément besoin d'un super bon téléphone. Après pour avoir des belles photos c'est un peu différent. Alors personnellement quand je vais dans la rue je prends vraiment tout le temps les photos avec mon iPhone parce que j'aime pas genre être dans la rue comme ça. Quand je suis en voyage je prends les photos souvent avec mon appareil photo. J'essaie de penser toujours à ce que la photo de base soit dans les couleurs de mon feed. Par exemple mon feed qui est actuellement marron, je vais pas aller me prendre allongé dans l'herbe avec des pâquerettes autour de moi. Ça ira pas dans mon feed déjà, et même avec un filtre ça fera pas beau. Dites-vous que la photo de base elle doit être de la même couleur que le filtre, c'est juste un petit plus, mais il faut pas que ce soit le filtre qui définisse votre couleur. Donc ensuite je prends pas mal de photos de moi quand même. Pour les photos de moi c'est vrai que c'est ultra gênant dans la rue, donc j'essaie de trouver des petites rues pas trop abritées avec des petites portes dans les tons marrons assez jolies. Quand j'aime bien un de mes looks j'essaie de le prendre en photo. Après c'est pas parce que j'aime bien un de mes looks que je prends une jolie photo que je vais mettre la photo, parce que parfois ma tête est pas trop passable. Alors ceux qui me prennent en photo c'est souvent mes potes. Avant je me prenais toute seule, c'était un peu chaud. Après il y a ma soeur des fois, et mes potes franchement ils sont trop cool sur ça. Vraiment je suis amie avec des gens, s'ils passent par là, merci les gars, vous vous reconnaîtrez, qui sont pas du tout à me juger ou quoi, genre limite ils me font « Ah tu as compris en photo et tout » et c'est trop mignon, franchement heureusement que je suis pote avec des gens comme ça. Je trouve que c'est assez joli de prendre, donc d'inverser, donc prenez des photos de vous, prenez des photos d'objets.
Par exemple, moi je prends souvent mon café en photo parce que c'est toute ma vie, j'adore les photos de café. Après je prends des photos souvent de paysages ou quoi. Après inversez bien, ne mettez pas tout le temps les mêmes photos parce qu'au bout d'un moment les gens vont se lasser. Ensuite quand je prends mes photos, j'essaie qu'il y a une bonne luminosité ou une mauvaise et puis j'essaie de régler un peu. Après voilà, franchement mes photos je les fais quand même souvent un peu sur le vif et je les trie après, j'en prends des centaines et je les trie après. Enfin donc je vais vous parler de l'inspiration parce que je veux pas trop m'étaler sur les retouches ou quoi, je vous en parlerai plus tard. L'inspiration, je m'inspire énormément de Pinterest, principalement en fait j'ai fait mon agenda en début d'année où j'ai préparé des feeds de photos que j'avais pris sur Pinterest. Donc par exemple une partie de mon agenda c'est un feed bleu avec des blogueuses et tout, et l'autre côté c'est un feed orange, enfin marron, et ça m'a vraiment inspiré. Les photos sur Pinterest elles sont magnifiques, mais les gars vraiment magnifiques. Oui. On doit faire un truc, c'est un grattage. Et Marine, elle a fait un truc pas bien. Ouais. Et elle a perdu un numéro du coup. C'est un grattage, il y en a un pour chacune. Et Elise, c'est la seule à avoir gagné 2 euros. Et moi, j'en ai un ou pas? Ouais, donc. Faut... Gratter. Ah, c'est horrible. J'ai oublié. Mais... Moi, je suis devenue millionnaire, les gars. Non, t'as gagné 0 euros, banane. Donc voilà les gars, je vous ai juste donné quelques petits conseils, j'espère que vous avez compris. Pour l'instant je vais aller à la salle de sport, voilà voilà. Bye. Mais s'il vous plaît les gars, est-ce que je suis censée résister à ça? Vraiment. Là c'est les meilleurs cookies de ma vie. Pour ceux qui connaissent moi, c'est la croix de pierre. Mais je vais le cacher pour demain parce que je commence assez tard et sinon mes soeurs vont manger. Bon, dans les familles nombreuses, c'est chacun pour sa vie. Je sens que ma sœur va voir cette vidéo, elle va être en PLS. En attendant, il me reste du flan. Grosse bouffe un jour quand vous bouffe toujours. J'ai vraiment des potes qui me surnomment comme ça en plus. Si le bonheur appartient à qui fait des heureux, si cette année tient, moi je ne garde que le nécessaire. Bah vous, mais moi la pire, le pire calvaire c'est de devoir faire mon lit. Donc vous allez voir, mais je galère tellement, c'est un truc de fou. Un coup de cœur, des choses à faire, à l'intérieur, le nécessaire. Beaucoup de bonheur, un petit frère, une petite sœur, et c'est tout. Dire bonne nuit parce que demain est un grand jour. Vous verrez ça dans le prochain vlog, mais regardez-le. Et je vais y aller, je vais faire le montage et ciao la mif.